Salut YouTube, alors aujourd'hui on se retrouve parce que je vais vous présenter Bobo, ma Bonnie. Alors là elle est au champ avec Doria que vous avez déjà vu. Coucou mon belle. Voilà, j'ai un peu traîné à filmer cette vidéo parce qu'en fait je voulais un meilleur temps que ça, sauf que bah il se présente pas, il fait toujours aussi moche. Donc bon bah tant pis, je vais filmer la vidéo et puis voilà. Bonnie est une jument espagnole qu'on a récupérée. En fait c'est une dame qui l'a, enfin une copine à ma mère qui l'a récupérée dans une foire. Donc elle était très très maigre, je vous mettrai une photo. Et je crois qu'elle adore l'appareil photo. Et en fait, oh là, là j'ai ramené le kit pour la brosser, donc elle est très très sale. Voilà, elle était avec soi-disant son poulain, donc on sait pas trop si c'est son poulain parce que Bonnie a que 3 ans, donc on sait pas, peut-être c'est son poulain, peut-être ça l'est pas, on sait pas trop. C'est vrai que le poulain lui ressemble un peu, donc est-ce qu'il y aurait pas un lien de parenté? Quoi vous dire d'autre? Elle est crémello. C'est-à-dire qu'en fait elle a la robe donc crème, blanc crème, avec la crinière donc crème et les yeux bleus. Donc, vous voyez ses yeux, Bobo? Attends, remonte tes yeux. T'as des beaux yeux mon chéri. Voilà. Elle pèse, on l'a pesée l'autre fois. Mais Bobo? MC? Elle pèse dans les 400 kilos je crois, donc c'est pas le grand cheval, mais me voilà qui est une petite chérie, hein ma belle. Je crois elle kiffe l'appareil photo, c'est fou ça. Hein Bobo? Bonnie? Voilà donc en fait... ça l'intrigue ce que je fais. Donc on l'a récupérée, elle était très très maigre, on voyait ses côtes et du coup donc on a commencé à lui donner des vitamines et on lui donnait donc des granulés de la marque Vivalure. Ensuite on lui a fait, parfois on lui fait de la mâche. En fait ça c'est le champ dans lequel on la lâche pour l'instant, ça c'est la maison et en fait derrière la cabane il y a donc son box. Mon chien bandit qui attend à chaque fois que je vais au champ, il reste là et il attend. Voilà, il aime pas être... il me surveille quoi, faut qu'il me surveille. Bonnie, alors c'est moi en fait qui l'appelais Bonnie. En fait je l'ai appelée Bonnie en référence à Vampire Diaries, oui c'est très classe je sais. Sans commentaire. Et en fait à la base son nom entier c'est Bonita el Fénix del Salvatore. Donc en fait j'ai fait un mélange, donc Bonita pour Bonnie dans Vampire Diaries parce que j'aime beaucoup le nom, enfin le prénom. El Fénix pour le phénix quoi qui renaît de ses cendres. Elle a renaît de ses cendres puisque voilà, elle avait une vie un peu merdique avant et maintenant elle en a une nouvelle. Et Salvatore, parce que Salvatore dans Vampire Diaries. Oui, je suis très fan de cette série. Je sais, c'est pas cucu, hein, je vous rappelle, parce que la saison 7 n'est pas du tout cucu. Hein, Doria? Doria s'en fout de Vampire Diaries. Oui, moi, Doria, tu es belle. Oui, tu es belle. Voilà. Donc, en fait, je voulais un nom un peu, vous savez, qu'il fasse... un peu prout prout quoi, enfin qui en jette un peu quoi, pas juste un petit nom. Bon on l'appelle Bonnie ou Bobo dans la vie de tous les jours, mais voilà, elle a un nom un peu classe quoi on va dire. Enfin un peu classe, ça dépend pour qui, mais bon. Voilà, elle est très 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 crade, il va falloir que je la brosse. J'ai ramené le kit, je vais vous montrer si vous voulez. Alors en fait on met tout dans ce sac là, j'utilise ça, ça, ça et ça. Donc ça j'utilise pour son corps quoi en entier, sauf les jambes en fait. Je m'arrête avant les jambes. Voilà, ça c'est justement pour les jambes, pour entre les deux jambes de devant, voilà les zones un peu sensibles. Ça c'est pour sa crinière et sa queue. Et ça en fait c'est pour la masser un peu à la fin, mais ça la brosse aussi, donc ça enlève vraiment beaucoup de poils.
Donc voilà, en fait, j'utilise ces quatre trucs là. Je vais la brosser. Là, elle est juste avec Doria, la petite américaine, la petite AMH. Et en fait, de l'autre côté, vous avez donc d'autres chevaux à ma mère. Donc en fait, il y a un mâle, donc Rari, il s'appelle Rari Tight, Van Dezen Doven. Donc en fait, c'est le cheval là. Sauf qu'on voit que dalle. Et ben, je vais aller vous montrer comme ça. Vous verrez rien du tout, mais en fait, tout au fond, il y a un petit point blanc. Et ça, c'est 8. C'est deux petits mâles avec, à côté, il y a Elliot. Voilà, ils sont très très loin. Et voilà. Donc en fait, là, il n'y a que des juments, des femelles. Et il y a Rari qui est là. Donc en fait, c'est pour qu'il fasse des bébés à toutes les filles. Il en a de la chance, hein, ce gars. Il en a des filles pour lui. Bonjour Rari. Donc voici Rari Tight Van Dezen Doven. Rari. Il est hyper gentil comme petit cheval. Hein, oh, bah oui. Voilà. Donc Rari, le papa de tous les bébés. C'est Annalise. Bonjour Annalise. Bonjour ma belle. Elle dit qu'est-ce que c'est que ce truc. Bonjour ma belle. Ah non, j'ai rien à manger. Ça c'est Barbie. Voilà. Barbie. Solène. Bonjour Solène. Solène elle attend un bébé. Regardez-moi ce bidou là. Regardez-moi ce bidou là. Bonjour Solène. Bonjour Solène. Et ça c'est Star. Donc vous l'avez déjà vu aussi dans une autre vidéo. Donc elle aussi elle est pleine. Elle a un bon bidou. Un Star. Coucou ma belle. Eh oui Star. Oh ouais. Donc voilà. Solène. Solène, elle a un œil vert, un œil, enfin, elle a du verron, elle a un œil bleu, un œil. T'aimes bien la caméra, hein? Ouais, mon bobo. Mon bobo. Ouais, mon bobo. Mon bobo. Mon bobo.